Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo double unboxing. Donc double sortie chez Sidonis Calista, donc Les Maîtres de l'Univers de Gary Godard et Les Barbarians de Ruggero Deodato. On va commencer par Les Maîtres de l'Univers. Donc évidemment avec Dolph Lundgren, Frank Langella, il y a aussi Meg Foster dedans. Donc je le répète, film de Gary Godard, avec une plutôt sympathique BO de Bill Conti. Hop, ici sur le fourreau, donc nous avons deux visuels différents, avec des petits reflets, en tout cas sur la silhouette de Musclor et sur le titre, du plus bel effet. Ici pareil. Donc, je remercie aussi l'ami Harley qui me les a procurés. Hop, donc fourreau un peu étroit, je trouve. On verra si c'est mieux sans le blister, bien que j'ai des doutes. Enfin bon. Donc, Master of Definition, évidemment. Blu-ray. Qu'est-ce que nous avons dedans? Nous avons en bonus Le Maître d'un Univers avec Jerry de la chaîne Mortal G. Bon, je connais pas du tout. Je trouve ça un peu dommage de faire appel à des youtubeurs, en tout cas pour faire des bonus. Mais bon, ça me regarde pas. Behind the Legend of Master of the Universe 4 minutes. Making of du 25e anniversaire. Bande annonce américaine et française. Voilà. Bon. Donc deux films ici. De la Canon, pas les meilleurs, mais c'est pas pour ça qu'on les aime pas. Hop, à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Un disque, ici, donc le Blu-ray et le DVD. Pour le coup, le même visuel, pas de cover réversible. Ça aurait pu, mais bon, enfin, c'est pas très grave. Voilà pour Les Maîtres de l'Univers. Ouais, ça glisse un peu mieux, même si c'est pas fou. Après, c'est pas le film qu'on va regarder tous les 4 matins non plus. Nous allons passer maintenant aux Barbarians. Donc moi, je préfère très nettement ce film, bien qu'il est considéré comme nanar. Ça veut pas dire que c'est pas divertissant. Je le préfère aux Maîtres de l'Univers. Donc, avec David Paul et Peter Paul. Donc, je le répète, film de Ruggero Deodato avec une excellente musique de Pino Donaggio. Ici, pas de visuel différent, mais ça reste un visuel qui déboîte. Avec encore une fois du spot gloss sur les deux frères et ainsi que sur le titre. Donc visuel de bonne facture. Hop. Donc ici toujours un peu galère. On est sur le même moule hein, que l'édition que je vous ai présentée juste avant. Ici en bonus, qu'est-ce qu'on a? L'univers des Barbarians. 43 minutes quand même. Avec Ruggero Deodato, pardon, je vais y arriver. Le Behind the Scenes TV Special. 5 minutes, The Midnight Hour, 7 minutes 20, interview avec David et Peter Paul, et clip promotionnel et bande annonce. Voilà, donc pas mal de bonus, vraiment, pour une sortie inédite, parce qu'aujourd'hui, il y avait, pour ce film-là, il y avait uniquement un pauvre DVD VHS rip dégueulasse. Donc ici, Sidonis s'est mis les petits plats dans les grands, j'ai envie de dire. Voilà, donc. On est ravis. Hop. Les deux disques encore une fois. Blu-ray, DVD. Donc moi je suis vraiment ravi. Alors ici la particularité, c'est que j'ai oublié de préciser, c'est que nous avons... les Blu-ray, en tout cas les fourreaux, sans les bandes moches au-dessus. Donc ces éditions, ces fourreaux en tout cas, étaient
Uniquement pour ceux qui avaient fait le financement participatif. Voilà. Donc si vous achetez dans le commerce, vous allez avoir les bandes ici vous indiquant que c'est un combo Blu-ray DVD. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu de soutien, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ces deux films, lequel vous préférez. Et abonnez-vous si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très vite. Ciao tout le monde!